Hi everyone, c'est F Mystique de la NMG Gamers. Après quelques semaines d'absence, je reviens sur la toile. Je reviens pour une présentation d'application. Pas n'importe quelle application. Une application qui pourrait être utile pour certains et inutile pour d'autres. Mais cette application est similaire au Tinder. Thunder, je sais pas comment vous le dites honnêtement, mais je m'en bats les couilles. Mais en tout cas, cette application, c'est similaire au Thunder. Et cette application se nomme, attention, pour la prononciation, je ne sais pas, mais je vais la personnaliser, je vais la mystifier. Je vais la nommer Vampire, une application similaire à Thunder. À quoi sert Vampire? On va aller directement dans le sujet, directement, on va sauter dans les choses importantes. Vampire, c'est comme Thunder. Thunder, ça vous permettait de faire quoi? Thunder, ça vous permettait de trouver et de chatter des personnes, de rencontrer des personnes qui étaient près de vous. Bah, Vampire, c'est la même chose, mais pour les artistes, pour l'univers de la musique. Donc, je vais vous dire directement, Vampire, ça permet de trouver des artistes près de chez vous, dans le monde entier. Ou soit près de chez vous, ou soit dans le monde entier. Ça vous permet de faire quoi? De construire votre profil avec vos liens SoundCloud. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Vos liens SoundCloud et vos liens YouTube. Donc voilà, tout en bas à gauche, j'ai mon lien YouTube. Et tout en bas à droite, j'ai mon lien SoundCloud. Honnêtement, je pense que c'est le plus gros avantage. Mais voilà, c'est pour ça qu'on dit similaire à Thunder. C'est le plus gros avantage qu'il y a à cette application. Parce que ça vous aide énormément déjà à trouver d'autres artistes ou d'autres personnes qui travaillent dans la musique. Et surtout, ça permet à ces autres personnes et même à vous d'écouter d'autres artistes dans le monde entier. Ils écoutent vos sons sur vos plateformes, sur la plateforme YouTube et la plateforme SoundCloud. Et ça, c'est franchement, c'est bien. C'est un échange, je pourrais dire, vraiment équitable. Donc, voilà, aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Hein. Internet, honnêtement, on n'a plus besoin de passer en radio. C'est toujours un plus, c'est vrai. Passer en radio, c'est clair que c'est un truc, c'est un privilège. On peut dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on n'a plus besoin. Si tu veux construire une fanbase ou autre, tu n'as plus besoin de forcer un passage en radio ou de trouver, je sais pas, des shows ou passer à la télé pour construire ta fanbase. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et cette application va aider plusieurs personnes, plusieurs artistes à avancer dans leur petite carrière personnel ou leur carrière de musique ou autre. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet. Directement, on peut faire des nouvelles connexions en swipant vers la droite ou vers la gauche. Donc, vous voyez la petite boule là. Ça, c'est un artiste. Il se dit, hey, let's go SoundCloud and chill. Ça veut dire, en tout cas, déjà, il veut vous diriger vers son SoundCloud. Donc, en bas à droite, il y a son SoundCloud. Directement, bah, ça c'est son lien YouTube. Tout ce qui se passe en bas, il vient de München. Il vient de ma Dalmane, hein, 652 miles. Désolé, moi c'est en anglais, miles. Bon, c'est à peu près quoi? Ça doit être 700. Je sais pas, peut-être 600, 630 km. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, je vais pas vous dire. Mais en tout cas, voilà, cette personne a mis son lien YouTube. Donc, on peut écouter ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Donc, voilà. En tout cas, il s'appelle Daniel, il a 21 ans, graphic designer, producteur et singer. Dans sa spécialité, c'est le jazz, R&B, soul, hip-hop. Donc, en tout cas, voilà, si je switch vers la gauche. Vers la gauche, c'est pour passer. Je vais passer et je vais regarder un autre artiste sur cette application qui dit, Hey, I'm looking for a promoter. Donc lui, il
recherche quelqu'un qui va le promotionner, honnêtement, qui va le promotionner sûrement sa musique ou autre. Et c'est un singer, rapper, producer, pop, hip-hop. Donc il y a ses liens YouTube, son lien YouTube à gauche et son lien SoundCloud à droite. Donc c'est bien. Donc voilà, là par contre, je vais vous montrer quand je swipe vers la droite. Vous voyez la petite boule, ça c'est vers la gauche, ça c'est vers la droite. Quand je suis vers la droite, je me connecte et directement, ça va vous connecter avec l'artiste. Franchement, c'est similaire à Tinder. C'est ouf, franchement. C'est une application, franchement, à mon avis, qui va pas mettre longtemps pour voir le monde entier, pour que tout le monde la télécharge et franchement l'utilise. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. J'ai bien aimé cette application, j'ai pu la tester. Ça, franchement, ça a bien aidé mon lien YouTube et mon lien SoundCloud, surtout sur SoundCloud, où je commence à devenir actif quand même, en sortant quelques sons gauche à droite. Mais en tout cas, ça aide franchement et ça fait plaisir. Donc là, directement, ça fait succès. You've just connected with Dante E. Start chatting, keep discovering. Donc moi, je vais directement start chatting et on va l'envoyer un petit message. Aïe. Envoyer directement. Et maintenant, en haut, tout en haut à droite, vous avez votre petite icône de message. Vous pouvez aller vérifier. Voilà. Directement, il y a tous les messages qui apparaissent. Et directement, vous avez le prochain profil. Ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, ça finit jamais. Franchement, tous ceux qui ont l'application vont toujours dérouler. Donc en tout cas voilà, on peut chatter, collaborer avec d'autres personnes, d'autres producteurs, d'autres musiciens. Je vais vous montrer, il y a une grosse palette de différents, comment on va appeler ça, des différentes informations comme voilà, discovering preference, ça veut dire par exemple je peux choisir l'âge. Moi j'ai mis entre 13 ans et 40 ans honnêtement. J'ai mis vraiment du pur talent jeune jusqu'au plus expérimenté. Franchement, j'aime tout type de personne. Tant que je comprends ton délire, ton univers, ça me va. La distance globale, ça veut dire dans tout le monde entier, que ce soit près de chez moi ou dans l'autre côté de la Terre, carrément au Sud-Amérique ou autre. Where, current localization, ça veut dire ben, j'ai mis ma localisation directement. Moi, je suis basé en Angleterre. Gender, any, que ce soit mâle ou female, honnêtement, j'ai pas de préférence. J'accepte, j'écoute la musique, j'aime la musique. What are you looking for? Ça, c'est très important. Ça, vous devrez choisir directement. Je vous conseille de le faire directement quand vous téléchargez l'application. C'est voilà, moi j'ai mis tout ce que je recherche dans l'univers de la musique. Ça veut dire. Un publiciste, blogueur, publisher, singer, danseur, programmeur, producteur, graphic designer, vidéographe, agent, DJ, tour manager, rappeur, photographe, manager, vidéo directeur. Ça veut dire que c'est tout ça que je recherche, les connexions de différentes personnes. C'est voilà, c'est dans ces informations que je recherche mes personnes. C'est ça que je veux cibler. Voilà quoi. Et mon Charlotte, promo mastering designer, contact me, genre hip-hop. Voilà, ça c'était tout. C'est un peu les, on va dire, mes paramètres de cette application. Pourquoi j'utilise cette application ou autre. Voilà, French Mystique. En tout cas, si vous téléchargez cette application et que vous voulez collaborer ou autre, je suis accessible, je suis facilement accessible en tout cas. Maintenant, mon opinion sur cette application, franchement, une application, je mettrais sur 5, allez, un 4, voire même un 4,5, parce que franchement, c'est très similaire à Tinder. Ça aide, ça aide pour la musique. La personne ou les personnes qui ont trouvé cette idée, c'est une magnifique idée. Ça permet toujours de trouver d'autres personnes, nouveaux talents ou autres, même des gens expérimentés qui n'ont peut-être pas vu la lumière dans le monde de la musique, ça peut toujours faire plaisir. En tout cas, je vous conseille de la télécharger
Et on va se laisser sur ça. En tout cas, c'était F Mystique. On a un peu plus de 600 sur notre chaîne aujourd'hui. On va bientôt arriver le palier, atteindre le palier des 1000. Un grand merci à tous ceux qui suivent notre chaîne NMG Gamer. S'il y a des applications sympas ou utiles à faire, je vous les présenterai. Sinon, pour les autres vidéos, suivez toujours No Gameplay et Époustouflant sur mobile. Et mes gamers, mes holo, holo Ichigo, mes holo, à la prochaine. Skrrr!